Amoureux du patrimoine régional, les mariniers du Val Chantré ouvrent les portes de leur bateau traditionnel afin de faire découvrir leur passion pour la rivière. Les visiteurs embarquent pour un véritable voyage dans le Val de Cher. Le but de notre association, donc, entre autres, c'est de faire des promenades sur le Cher avec notre tout cabanais. Et nous partons donc du port de Chandon à Athée-sur-Cher, entre Athée et Saint-Martin-le-Beau. Et nous emmenons des groupes de jusqu'à 12 personnes sur le bateau et pour la destination de Chenonceau. C'est-à-dire que nous passons trois écluses qui sont distantes environ 3,5 km chacune. Et nous passons sous les arches de Chenonceau. Nous accostons à Chissot où généralement les gens font un pique-nique et nous rentrons dans l'après-midi en repassant sous les arches du château dans l'autre sens ainsi que les écluses. Mis à l'eau en 1997, le Val Chantré ne cesse de développer son activité et affiche déjà presque complet jusqu'à fin septembre. Un succès dû à la beauté des paysages et au repos qu'il occasionne. On a des gens qui reviennent et nous qui sommes maintenant bien sûr des habitués de la Badale sur le Cher puisqu'on en fait une quarantaine tous les ans. Nous-mêmes on n'est pas blasés mais en plus on a jamais eu des gens qui nous ont dit qu'ils étaient déçus de la promenade qu'on leur propose. Un moment de détente, une sortie entre amis, qu'importe. Le but est de s'y sentir le mieux possible en plein cœur de la nature. Un objectif que ces vieux de la branche ne laissent pas au hasard.